Salut Kiki, je viens de casser le MTX. Alors j'ai un triangle avec moi, mais voilà, quand t'as plein de caisses, c'est pas très grave. Même si je m'amusais bien, j'étais juste bien là. J'étais pas mal avec ces pneus Capit Warriors. Là, on va sortir le Erebo avec sa suspect assouplie nouveau. Et les pneus du HNR Mark 6S. Moteur Obi-Wing 2200 kW 4274, variateur Mamba Monster 2. Pignon de 14. Rien de déconnant, tu vois. Bonjour. On a les cardans donc télescopiques dessus, on espère qu'ils vont tenir, pas comme la série. Souvenez-vous, pour le Max, on a vu qu'il existait deux types qui se ressemblaient énormément. Il y a un type qui venait de chez Raiden Racing, je crois, qui était super qualité, équivalent tout simplement tu vois, et au pare-choc. On en cause là du pare-choc. Ah, le petit tube de rallonge, j'ai lâché. Allez, sors de là. Le deuxième, il veut pas lâcher. Bon, on va te laisser là. Et les autres, qui a été no name, eux étaient absolument mauvais, pas fabriqués de la même façon. On espère donc bien sûr aussi qu'on a ici aussi l'équivalent des autres racines. Ah, c'est le piège, la suspension rehaussée au max. On a dû tourner ça autrement. Du freiner plus. Comme il absorbe le terrain, c'est le pied. Bouge pas le bordel. En roue libre, sur les gaz, sur les freins. Regarde ça. C'est plus il est plus d'origine. Fais comme si tu roules un soumit, mon petit Mani. Ce sera bien que celui-là c'est en forêt. Là on va être bien avec lui. Ah, oh, mais non, une galette arrière. Oh, mon petit Revo. Mais dis donc. La chape. Ah, tiens, va, Robao en panne, Traxas en panne, Coralie, on va faire 12 packs d'affilée.
Bon, sur celui-là, 2 minutes chrono, mais par contre, regarde, mes manies, c'est bien beau. Mais si déjà t'es là, vire le pare-choc, mais enfin. C'est pourri, con. Sur les vélos. Attends de voir où ils vont d'abord. Bonjour. Eh ben, par là mon cul, ma tête est malade, le gars il te regarde de face, il est pas capable de dire bonjour. Bonjour. Ah, petite mouette. Oh, c'est pas vrai. On a refait la même. C'est quoi, moi je crois que j'ai encore des billets de Revo 1 dans la caisse à outils. Ah, on a fait l'autre côté, regarde. C'est quoi cette affaire? Il y a toute une série foireuse ou quoi? On est vraiment dans le jus de l'époque là. C'est début des années 2000, Mani a son premier Revo. Allez, et Revo 2, CN1 prise 3. Donc deux chapes du même côté, à chaque fois un bout de la biellette. Alors, du coup, théoriquement, on devrait faire l'autre côté maintenant. Où qu'il est ? Bonjour. Je trouve plus. Oh oh. Bah ça aura pas fait long feu. Regarde, on a plus de mots. Regarde. Verdict du cardan chinois.
mauvais. Dommage. Parce que côté pratique avec le cardan chinois, avec le cardan télescopique, c'était le... Avec le levier long là, on n'avait aucun souci de déboîtement. Là tu vois que ça passe pas du tout. Donc on verra avec le cardan d'origine si on peut mettre ça. Quand même les leviers longs, sinon je remettrai les courts, mais ça m'embête un peu parce que ouais, j'étais bien comme ça moi. Donc définitivement le Kagama a jeté un sort à ma collection. Il veut pas que je roule le MTX avant lui, il veut pas que je roule le Revo avant lui. Donc est-ce que je sors maintenant le Kagama ou est-ce que j'enchaîne la destruction?